Dans une entreprise, la hiérarchie crée un fossé entre patrons et employés. Et pour faire évoluer leur société, certains patrons sont prêts à prendre des mesures exceptionnelles. Un patron va tenter une expérience originale. Il va redescendre en bas de l'échelle et travailler une semaine dans son entreprise incognito. Ce patron, c'est Rodolphe Wahlgren. Il dirige la chaîne de restaurants Memphis Coffee, un concept de restaurant américain inspiré des authentiques diners des années 50. Il va abandonner son statut de PDG et son confort de vie pour devenir un simple apprenti dans sa propre entreprise. Pour passer incognito parmi ses employés, il va se métamorphoser et changer d'identité. Pendant une semaine, il va être un patron sous couverture. Il va apprendre un métier par jour et sera formé par 4 salariés différents. Mais ils ne savent pas que c'est leur patron. C'est parti, tout ça. Écoute, dans la restauration, on commence les trucs, on le finit. Je vais aller me redresser là-bas, s'il te plaît. Javi ? Oui ? Il va falloir accélérer. Passer à la cinquième et je te revois avec. Là. C'est pénible, elle ne me fait rien faire. À tout moment, il risque d'être reconnu. Que les drapeaux américains, non ? Pardon, excuse-moi. J'espère que je ne vais vraiment pas me faire démasquer à force de vouloir recadrer les gens. Mais c'est plus fort que moi. Quand je vois qu'ils font n'importe quoi, j'arrive pas à me retenir. Sous couverture, le patron va découvrir ce qui se passe vraiment sur le terrain. Certaines choses vont le choquer. Le déstabiliser. On ne peut pas faire du bon travail dans ces conditions. Parfois, il ne sera pas à la hauteur. Le truc qui m'a le plus agacé, c'est qu'il soit mou. C'est pas sa place. Il lâche la profession tout de suite. Hein. Mais il va découvrir le vrai visage de ceux qui font son entreprise. À la fin de son expérience, il va révéler sa véritable identité. Vous me reconnaissez ? Non. Je ne suis pas Ludo. Je suis Rodolphe Wahlgren. Comment ses salariés vont-ils réagir en réalisant que c'était le grand patron ? J'ai fait jouer à quel jeu, là. Cette expérience va-t-elle changer leur quotidien ? Et quel sera l'impact sur l'entreprise ? Rodolphe Wahlgren est le fondateur, président, directeur général d'une enseigne de restaurants spécialisés dans la cuisine américaine dans un décor années 50. Alors qu'il n'a que 20 ans, sa carrière débute à Ibiza en Espagne où il monte son premier restaurant spécialisé dans la cuisine française. L'aventure n'aura duré même pas un an puisque j'ai décidé de rentrer en France parce que finalement mes racines étaient en France et puis c'était une expérience mais je ne me voyais pas vivre là-bas. Après un bref passage dans l'entreprise familiale de location de voitures, Rodolphe choisit de créer sa propre société. J'ai vite compris que je voulais voler de mes propres ailes et je ne voulais pas forcément poursuivre la carrière de mon père. Je voulais créer quelque chose de moi-même. C'est lors d'un week-end dans un parc d'attractions que lui vient l'idée d'ouvrir un restaurant inspiré des typiques diners américains années 50. J'aime la restauration et surtout la restauration très conceptualisé. Mobilier haut en couleur, tenue des serveurs adaptés, ambiance musicale, recettes, tout dans ces restaurants est inspiré des diners américains. Je suis très attaché aux détails parce que je considère que la réussite de notre concept tient beaucoup dans les détails que les gens ne perçoivent pas forcément. Mais je pense que c'est ça qui rend la beauté de la chose. Pour être certain que tout soit sous contrôle, ce patron audacieux a eu une idée. J'ai décidé d'ouvrir d'autres entreprises. Donc la première entreprise que j'ai ouverte a été la société de travaux. Donc une société qui peut réaliser la construction de nos restaurants, l'agencement, l'aménagement. Nous avons après ouvert une société d'approvisionnement, c'est-à-dire qu'une société qui approvisionne tous nos restaurants en produits spécifiques IFO Coffee. Et puis nous avons monté également une société de fabrication de meubles. Nous fabriquons les tables, les chaises, les banquettes, nous fabriquons tout ce qui va dans le restaurant. Dans la vie de ce jeune homme d'affaires, il y a 3 femmes. Stéphanie et leurs 2 filles, Chloé et Léa, l'épaule au quotidien dans cette aventure.
Lorsque je l'ai rencontrée, j'ai de suite compris que c'était la femme de ma vie. Lorsque je suis blanc, elle est noire. Lorsque je suis yin, elle est yang. C'est ce qui nous permet aussi d'avancer sur le bon chemin. À la maison comme au travail, Stéphanie est une véritable partenaire pour Rodolphe Wahlgren. Il travaille beaucoup et il a un peu de mal à décrocher. Donc c'est pour ça qu'il a besoin justement de jouer au golf, d'aller faire de la moto pour respirer l'air et se changer les idées. Il contrôle tout, il faut que tout soit bien cadré. C'est quelqu'un qui est très exigeant envers lui et surtout envers les autres. Créé en juin 2009, l'idée de ce jeune patron de 33 ans connaît un succès qui le pousse à se développer très vite. Cette société, à l'échelle nationale, c'est 10 restaurants, un chiffre d'affaires de 16 millions d'euros et plus de 300 salariés. Le concept fonctionne. Rodolphe Wahlgren ne compte pas s'arrêter là. Si tout se passe comme il l'a prévu, dans peu de temps, il devrait être à la tête de 30 restaurants et de 450 employés supplémentaires. Nous étions mis des objectifs à moyen terme. Donc le moyen terme était d'atteindre 30 unité à fin 2013, j'espère que nous allons y arriver sans problème. Et un peu plus long terme, nous visons les 100 restaurants pour 2020. Des procédures qu'il a mises en place, il ne connaît plus que la théorie et les données financières. Rodolphe Wahlgren se sent totalement déconnecté. Pour découvrir ce qu'il se passe sur le terrain, le patron a décidé de passer une semaine incognito en immersion auprès des employés de sa propre entreprise. Ce que j'attends de cette immersion, c'est de pouvoir constater les problématiques de conception, de travail, de conditions dans lesquelles le travail se fait. Là, on est sur un autre aspect, on est sur l'intérieur, sur le cœur de l'entreprise. Pour les informer de l'expérience, Rodolphe Wahlgren a convoqué les membres de son comité de direction. Le co-gérant de l'usine, la juriste, l'expert comptable, le chargé de communication, le responsable de la restauration et l'assistante de direction. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Régulièrement, ils se réunissent à huis clos pour définir la stratégie de l'entreprise. Mais aujourd'hui, c'est un comité exceptionnel. Vous devez vous demander pourquoi je vous ai convié à ce comité exceptionnel. J'ai pris une décision importante pour l'avenir de notre groupe. Vous me connaissez ? Je suis un homme de challenge, j'aime relever les défis. Vous savez aussi, comme moi, que mes obligations me déconnectent du terrain. Et rien ne vaut le contact direct pour découvrir la réalité du quotidien. Voilà pourquoi je vais passer une semaine incognito au sein des différents établissements de notre groupe. Je veux voir avec un autre regard l'intérieur, le cœur de notre entreprise et ce qui peut être amélioré. Je ne sais pas ce que je vais découvrir, mais c'est important pour moi, pour nous, de faire cette expérience. D'accord, mais comment ? Eh bien, en fait, je vais être déguisé et je vais rentrer dans les restaurants, en cuisine, en salle. Ça se concrétise comment et ça se passe comment ? C'est quoi le truc ? Eh bien, à partir de demain, je vais partir en immersion. Je vais demain ? Ouais, je vais être déguisé, je vais aller dans les restaurants comme un salarié lambda, ancien chômeur ou... D'accord. Je pense que ce qui le motive, c'est le développement de son concept. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que vous arriviez, que vous tombiez sur des choses qui ne sont pas dans notre concept. Quelle va être votre réaction à ce moment-là ? Vous êtes quelqu'un de très, très carré. Pointilleux, très pointilleux, oui. Et ça me fait un peu peur. Il va falloir que je mette un peu d'eau dans mon vin et qu'on essaye de voir ce qui peut être amélioré. Tellement directif que ça va peut-être être le défaut majeur, c'est de ne pas intervenir, je crois. C'est tout ça où il va avoir du mal. Ce qui effraie un petit peu, c'est ce côté perfectionniste. Ça va être très difficile, je pense. Et oui, je pense que c'est sûr que ce n'est pas mes habitudes de travail, puisque moi, je fais plus du bureau, donc ça va être un peu compliqué d'être sur le terrain 8 heures par jour. Ça a du bon. Voilà, ça a du bon parce que peut-être... 8 à 12 heures par jour. 8 à 12 heures, peut-être on va pouvoir améliorer certaines choses. Écoute, c'est un défi important. Hein. Ouais, c'est un défi, c'est vraiment ça. Bien sûr, je compte sur vous pour observer le secret absolu. Pas de souci. Je vous demanderai donc par avance toute votre discrétion.
On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour débriefer de mon immersion. Ah, d'accord. Bon. À bientôt. Bon courage. Bonne chance. Bon courage. Bon, je m'attendais pas à ça. Hein. Réunion courte, mais courte mais surprenante. C'est le début de l'expérience pour Rodolphe Wahlgren. Il quitte son costume de PDG et se transforme en son personnage pour la semaine d'immersion. C'est une incroyable métamorphose qui lui permettra de passer incognito auprès de ses employés. Grâce au conseil de la production, le patron va changer d'identité. Rodolphe Wahlgren s'appelle désormais Ludovic Leroux. Il a 27 ans, vit toujours chez ses parents et est à la recherche d'un premier emploi. Ah oui, oui, je suis bien mieux comme ça. J'ai vraiment l'impression d'avoir 17 ans. Cette transformation va permettre au patron d'obtenir la vérité sans filtre et d'être jugé pour son travail et non pour son statut de président fondateur. Bonjour Ludovic. Hein? Oui. Enchanté. Je me demande si je vais pas encore tomber une deuxième fois amoureuse. Je me demande. Tu es beau. Pour justifier la présence de nos caméras sur le terrain, nous prétexterons le tournage d'un documentaire sur le premier emploi d'un adulte vivant encore chez ses parents. Pour cette expérience, le patron a quitté son confort habituel. Je laisse ma famille avec un petit peu de tristesse quand même, parce que je pars pour quelques jours et je sais pas réellement ce que je vais vivre ni où je vais aller. Il s'installe dans un hôtel de la zone industrielle de Marseille. Je commence à réaliser que l'immersion démarre, donc il va falloir être à la hauteur et vivre l'expérience et l'immersion comme il se doit. Marseille, il est 9h du matin et Rodolphe Wahlgren entame sa transformation en Ludovic Leroux, jeune Tanguy à la recherche d'un premier emploi dans la restauration. Pour son premier jour de formation, il va s'essayer au poste de serveur. Le groupe compte 150 serveurs pour 10 restaurants avec des horaires variables. Il y a ceux qui font un service continu et ceux qui travaillent en coupure. Ils sont payés 1 300 € par mois. C'est un poste qui ne nécessite pas de qualification particulière. En revanche, il demande de nombreuses qualités. Précision, organisation, concentration, dextérité et constante bonne humeur. C'est un métier clé puisque les serveurs sont au contact direct de la clientèle et représentent l'image de l'enseigne mieux que quiconque. Aujourd'hui, je suis à Marseille. Je viens d'ouvrir un des plus gros restaurants du groupe qui fait jusqu'à 1000 couverts jour. Je veux donc m'assurer que la qualité de l'accueil et du service sont bien au rendez-vous. Ici, chaque midi, c'est en moyenne 300 clients pour 7 serveurs. Rodolphe Wahlgren veut être certain que la qualité du service est irréprochable malgré la fréquentation élevée. Bonjour monsieur. Ludovic. Ludo. Bonjour la formation. Rentrez. 10h45. Arrivé au restaurant, notre patron s'apprête à faire un service continu. Sa journée ne se terminera qu'à 19h ce soir. C'est Elena qui va être votre formatrice. Vous avez de la chance, hein. Charmante. Bonjour. Formatrice. Venez avec moi. Tout va bien, messieurs ? Ça va. Allez. Elena a 19 ans. Elle travaille dans le restaurant depuis son ouverture il y a un an et demi. Malgré son jeune âge, elle a déjà expérimenté plusieurs métiers. Esthéticienne, coiffeuse, fleuriste, jusqu'au jour où elle a commencé dans la restauration. Serveuse, ce n'est pas qu'un simple job. C'est avant tout un métier qui la passionne. Serveuse, c'est un métier dur. C'est un métier qu'il faut aimer ou sinon on ne peut pas tenir dans ce métier-là. C'est impossible. À peine le temps pour Ludovic d'enfiler sa tenue, le voilà prêt pour sa journée de formation. Bon, allez, c'est parti. Le métier de serveur consiste à prendre les commandes, les taper sur une machine appelée Pocket, récupérer les commandes au passe-plat et veiller à ce que le client reparte avec le sourire. Lorsqu'il débute sa journée, le serveur doit avant toute chose faire sa mise en place. Décoration. D'accord. Couvert. Il y a une petite trace de doigt sur les couverts aussi. Vite me l'essuyer. Et sauce sur les tables. Je me languis de voir pendant le service. Ah, on va carburer. Ah oui. On va y aller. Moi j'aime que ça bouge quoi.
Il faut aimer l'adrénaline. On a 2 heures de jus dans le service, bim bam boum, ça doit y aller. On pense à rien, hein. On pense à rien du tout. On pense à nos clients, à nos boissons et à nos plats. D'accord. On va essayer d'entraîner pour l'instant avec un petit plateau. C'est un peu bancal, tu vois. C'est... Eh bien, accompagne-le, suis tes mouvements. Je suis désolé. C'est pas grave, ça arrive. Rodolphe Valgren, patron en immersion dans sa propre société, fait une mise en place. Une tâche qu'il effectue pour la première fois. Avant de débuter le service, sa formatrice lui indique tout ce qu'il doit retenir. Une occasion pour le patron, apprenti d'un jour, de voir si les procédures qu'il a mises en place sont bien intégrées. Sur chaque petit hamburger, on met un petit drapeau. Je trouve que c'est mignon. D'accord. Voilà. Ça, c'est ce qui s'appelle un carré. Moi, souvent, on me donne tout ça, tous les 40. Donc de là à là ? Oui. Non, jusqu'à derrière, tout ça, là. Moi, toute seule, je me fais ça. Mais combien il y a de gens, là ? Moi, je dois me faire 60, 70 clients, moi, toute seule. Il n'y a personne qui doit rentrer dans mon carré. D'accord, ça, c'est toi qui t'en occupes. Je m'en occupe de A à Z. Il n'y a que moi qui dois m'occuper de mes clients. 11h45. Avant que les clients n'arrivent, un déjeuner rapide et une dernière vérification pour Elena et Ludo, qui est impressionnée par la précision de sa formatrice. Ça me plaît bien parce que toi, t'es très précise. Et ouais. T'es perfectionniste, en fait. Il faut. Voilà. Et ça marche bien. C'est très carré. Surtout. Tout est bien organisé. Voilà, c'est très organisé. Le service doit se passer vraiment, ça doit glisser. Elena profite de son avance pour aider ses collègues au bar en remplissant les carafes d'eau. Une occasion rêvée pour notre patron d'interroger sa formatrice du jour. Ça fait longtemps que tu es dans la restauration. Ça fait un moment. C'est mon métier, je me suis lancée et j'ai pu lâcher. Moi j'ai 19 ans. Ah, 19 ans. Oh là, je sais rien. Hein. Moi j'ai la rage. Hein. Ouais. J'ai envie de bosser, je vois que le travail. Tu penses que tu vas pouvoir évoluer ou... C'est sûr. C'est sûr. Et oui, c'est certain. Je vois les choses en grand. Ah, tu as raison. 12h15, arrivée des premiers clients et début de service pour Rodolphe Valgren, qui est impatient de commencer. Moi, tu me dis, je te suis, hein, bon. Tout ce qu'il faut faire, tu me dis. Normalement, on est bon. Oui. Je veux que tu me suives, mais je veux que tu prennes des initiatives. D'accord. Aussi. Je veux pas que tu me traînes dans les pattes non plus. Ah non, je compte sur toi. Ok. L'heure est venue pour Ludovic d'observer sa formatrice avec attention, puisque dans quelques minutes, ce sera à lui de montrer de quoi il est capable lors d'une prise de commande. Allez, on y va, je vous écoute. Un burrito. Ensuite, un cheeseburger double. Ensuite, 4 Memphis burgers. Ça sera tout, messieurs ? Oui, allez, on y va. On récupère les cartes et on va les poser à l'accueil. Dès la première prise de commande, je me dis que quelque chose ne va pas. À aucun moment, Elena n'a demandé la cuisson des viandes aux clients. Je me dis que cela doit être un oubli. On va les prendre les 6, messieurs, d'accord ? Allez, on six, y va. On va les c'est moi marcher. Qui les prends ou c'est toi ? Si tu veux. Allez, c'est moi. J'ai. Mais tu me suis quand mais même. Mais je suis, hein. Je suis là. Tu me check, hein, c'est jamais. Hein. Messieurs, je vais vous prendre la commande, allez. Si vous le voulez bien. Deux montagnes doubles, c'est ça ? La cuisson, messieurs. Non, attends, non. Non, non. Quand on te dit pas la cuisson, tu marques à point, ah d'accord ? Bon. Parce que ça complique trop en cuisine. Ah bon, d'accord. J'impose à tous les serveurs de demander la cuisson des viandes. C'est une règle de base dans la restauration et je me rends compte qu'elle n'est pas suivie dans ma propre enseigne. Ah, la cuisson, monsieur. Il y avait la proposition de la cuisson. Oui, c'est bon. T'inquiète. En attendant l'arrivée de ses premiers plats, l'apprenti du jour en profite pour observer le service. Et rien n'échappe à son œil de patron. Manque le drapeau américain sur les burgers. C'était messieurs. Rodolphe Valgren, qui est censé être un apprenti en observation, ne peut s'empêcher d'intervenir. Il manque les drapeaux américains, ah non oui, c'est vrai. Ah, pardon, excuse-moi. J'ai retenu ça tout à l'heure. Hein, ouais. Bien vu. Merci. Il a été observateur. C'est un petit plus que Ludo. Hein. Ludo, viens. Allez. Attends. Donne-y. Faut qu'on pense au drapeau américain. Oui. C'est pas grave. On s'en fout. Bon, on s'en fout. C'est pas grave. Elena, elle fait pas ce qu'elle dit. Elle me dit les drapeaux américains sur tous les burgers. Elle en met aucun. Attention. Les drapeaux américains. Lorsque je lui dis en plus, elle se rend compte qu'elle fait mal, elle cherche pas à faire mieux, elle reste dans son truc. Elle avance, mais voilà. Vas-y, mets-moi le drapeau, s'il te plaît. 15h, notre patron sous couverture a remarqué quelques dysfonctionnements au sein de son propre restaurant. Et pour lui, c'est difficile à gérer.
J'espère que je ne vais vraiment pas me faire démasquer à force de vouloir recadrer les gens. Mais c'est plus fort que moi. Quand je vois qu'ils font n'importe quoi, j'arrive pas à me retenir. Rodolphe Wahlgren n'est pas au bout de ses surprises. Comme le lui a rappelé Elena ce matin, il est d'usage que chaque serveur ait son rang qu'il doit gérer de la prise de commande au départ des clients. Messieurs, dames, bonjour. Cette règle, c'est lui-même qui l'a instaurée au sein de tous les restaurants de son enseigne. Celui dont sont censés s'occuper Elena et son apprenti est le numéro 40. Moi, souvent, on me donne tout ça, tous les 40. Allez, à la 38. 38. 38, c'est pas chez nous, donc c'est par là. C'est pas chez nous, 38. 17 et 38. Messieurs, dames, bonjour. On va à la 21. Tiens. Ouais. En début de service, elle me dit, moi, j'ai un carré, un rang. Je sors pas de mon rang. Elle a passé sa vie en dehors de son rang. Alors ça, c'est à la... Alors à la 60, c'est dans carré, le coin là. Là-bas. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, non. Pourquoi tu sors de ton rang? Normalement, tu nous as dit qu'on non, restait là. Non, mais c'est chaud. Ça, c'est des plats chauds, d'accord? Même s'il y a d'autres serveuses qui ont mes plats à moi, elles me les mettront. Ah bon? Oui, même les desserts. Et pourquoi? Parce que c'est comme ça. J'ai l'impression qu'elle mène pas une réflexion très poussée quand elle est au travail, quoi. Elle avance, mais voilà. C'est parti tous. Hein. Et non, elle est partout, sauf là où il faut qu'elle soit. Il n'y a pas de rigueur. Même fils qu'au film, manque quoi. Le café, je vais aller le faire au bar dessus. Mais c'est pas. Oui, mais t'es pas barman, toi. Quoi? T'es pas barman. Dans les mois, souvent, je le fais, d'accord? Ah, d'accord. Là, c'est encore une connerie. Ça. Moi, elle me dit, je vais en faire plus. Je lui demande pas d'en faire plus. Je lui demande juste de faire ce qu'il y a à faire et de bien le faire. Je préfère qu'elle fasse ce qu'il y a à faire correctement plutôt qu'elle en fasse plus et qu'elle le fasse mal. Et à force de vouloir faire trop de choses, Elena finit par commettre des erreurs dans la prise de commande. Elle est loin de se douter qu'elle le fait sous l'œil critique de son patron sous couverture. Mais ça, mais même ça, c'est pas pour vous, messieurs. Si? Et non? Et non, ça non plus, c'est moi que je me suis trompée. Désolée. Ça, c'est pour vous. C'est moi, j'ai inversé les tables. Alors on fait des conneries, on s'occupe des tables qui sont pas les nôtres et on fait n'importe quoi. C'était un miss bête. Ouais, il y en a trois, vous l'avez ouais. Ça, ce sont pas des miss bêtes. Ah. Voilà. C'est pas trompé alors? Si, elle s'est trompée. Voici, messieurs, désolé. Rodolphe Wahlgren, qui est censé être un apprenti en formation, ne peut s'empêcher de reprendre sa formatrice du jour. On a le temps de gérer ses serveurs, c'est pas à nous. Nous, on a un rang à s'occuper, on fait notre rang et voilà. Lorsque j'ai accepté de participer à cette expérience, je me doutais bien qu'une fois sur le terrain, je serais face à des situations inconfortables. En voilà un exemple type. Je me rends compte que les règles que j'ai mises en place ne sont pas toujours respectées en pratique. Je suis agacé, mais je dois me contenir, sans quoi je risque de mettre en danger ma couverture. C'est fini ? La patience de notre patron est mise à rude épreuve. Il doit se reconcentrer sur son travail, car sa formatrice ne le perd pas de vue et il se doit d'être efficace. Ludo, je vais te voir en salle. Les cuillères, tu m'as dit, je les prends là? On les prend là. Et il n'y en a plus, là? Si, il y en a 1, 2, 3 et 4. Ça, c'est les cuillères à Michel. Ça va où, ça? On s'en fout. On s'en fout, d'accord, ok. C'est pareil, moi j'en vois. Ah, ok, je me prends pas la tête. Allez, fonce. Moi, vraiment, le truc qui m'a le plus angassée, c'est qu'ils soient mous. Voilà, ça m'a vraiment perturbée, ouais. Il faut qu'ils soient plus dans le jeu, mais ça va venir. Ludo! Les deux salades, pour moi, tout est bon. Va resservir la 42, c'est pas bon. Allez, on avance. Excusez-moi. Écoute, dans la restauration, on commence les trucs, on le finit. Tu vas aller me redresser là-bas, s'il te plaît. J'ai pas commencé. Si, tu l'as commencé, tu me l'as pas fini. Non, j'ai commencé, j'ai fait celle d'après. Non, tu m'as enlevé les verres de celle-là. Tu crois? Tu m'as enlevé les verres de celle-là. Je ne me dis pas non. C'est une bonne pierre, Elena. C'est juste une pierre qui mérite d'être taillée. Elle a un bon fond, elle est travailleuse, elle c'est une gagnante, elle me l'a dit, elle en veut. La seule chose qui lui manque, je pense, c'est un manque de rigueur. 18h30. Après avoir passé 8 heures debout, pris 80 commandes et servi autant de burgers, c'est la fin du service pour notre patron. Elena, oui. Je m'en vais. Eh ben ça y est, je te rends ma chemise et mon badge. Merci bien. Je te remercie, je t'embrasse. Il manque encore quelques bases pour vraiment que je le présente à un patron en tant que serveur. Ouais, non, il manque des bases. Mais en une semaine, si je le forme, ça devrait le faire. Il n'y a pas de problème. Merci, Elena. Au revoir. Ciao. Ce matin, Rodolphe Wahlgren était venu chercher des réponses à ses interrogations. Il souhaitait savoir si les règles qu'il avait mises en place étaient bien respectées au sein de ce restaurant. Il y a un manque d'information, un manque de transmission et...
un savoir-faire qui a été un peu dénaturé. Les employés ne respectent pas ce qui a été mis en place. Il y a tout un tas de petits détails qui m'ont excédé pendant le service. Moi, je suis persuadé que la perfection se fait dans le détail. Je me sens fatigué et aujourd'hui, j'ai vraiment conscience de la dureté de la tâche de serveur. Je sais que c'est un métier qui est difficile et qui mérite de la reconnaissance. Je commence à me plaire dans la peau de Ludovic et je voudrais surtout pas qu'il y ait un grain de sable qui vienne se mettre là-dedans et qui perturbe cette belle aventure. Et je veux à tout prix aller au bout et voir ce qui m'attend encore. Donc je suis très curieux de ce qui va arriver demain. Le jour se lève sur Marseille. Il est 7h du matin et Rodolphe Valgren, patron incognito en immersion dans sa propre société, s'apprête à vivre une nouvelle journée de formation. Voilà, j'espère que la perruque va encore faire son effet. Aujourd'hui, il doit se rendre à Toulon. Je vais dans un restaurant franchisé qui a ouvert il y a un peu plus d'un an. Je vais faire le métier de cuisinier. C'est un métier qui est le plus important dans notre activité, c'est le cœur de l'entreprise. Je veux m'assurer que les fiches techniques, les recettes et la qualité des produits sont bien au rendez-vous. Chaque restaurant compte en moyenne 8 cuisiniers, dont le salaire varie entre 1300 et 1550 euros par mois selon l'ancienneté, pour 39 heures de travail hebdomadaire. Ils sont formés pour suivre à la lettre les recettes mises en place par les dirigeants de l'enseigne et respecter les fiches produits au gramme près. Aujourd'hui, Rodolphe Valgren va s'essayer à ce métier avec quelques appréhensions. J'ai peur de ne pas arriver à faire le travail de cuisinier parce que je ne l'ai jamais fait. Donc il va falloir que je mette tout en œuvre pour faire mon maximum, pour ne pas être ridicule. Bonjour. Bonjour, vous êtes Ludovic. Enchantée. Je suis Madame Bonnemet, la gérante qui m'a dit qu'il la garde. Donc vous allez me suivre, je vais vous montrer les vestiaires, vous pouvez vous changer. Très bien. Et vous présenter à votre formatrice. Allez, je vous suis alors. Merci. Ben, je te présente déjà. Jennifer. Bonjour. Bonjour. Ludovic. D'accord. Donc, tu vas le former aujourd'hui. Hein, ok. On... Jennifer a 28 ans. Elle a intégré le groupe il y a un an en tant que commis de cuisine. Motivée et volontaire, 5 mois après, elle obtient un poste de chef de partie, salade et dessert. Aujourd'hui, elle s'occupe des grillades et autres plats chauds sous l'œil attentif de son chef de cuisine, Frédéric. Jennifer n'a pas fini de montrer de quoi elle est capable. Elle a un but, évoluer au sein de la société. Je pense que c'est une boîte où il y a des perspectives d'évolution. Mais moi, je suis déjà rentrée en tant que commis de cuisine. Mais il y a possibilité d'avoir un poste de second, donc on va tout faire pour. Ce que Jennifer ignore, c'est qu'elle va passer la journée avec son PDG sous couverture qui a enfilé sa tenue de travail. Ici, donc, tu as le poste starter. D'accord. Tout ce qui est chaud, entrée. Ici, tu as le poste salade. Salade. Ici, tu as le poste dessert. Ok, voilà, dessert. Il est en train de faire oui. La prépa dessert, couper ses petits brownies. Ici, tu as le poste des assiettes. Donc, ceux qui préparent les assiettes des burgers pour commencer à envoyer en salle. Ok. Ici, tu as tout le poste du chaud. Il est 9h. Première étape dans le travail de cuisinier, couper tous les ingrédients afin qu'ils soient prêts lorsque le service démarrera. Il va falloir qu'on se dépêche. Je vais me laver les mains. Allez, ça va, ça marche. T'as le lave-main qui est là, comme chez toi. Les mains propres, l'heure pour lui est venue de se mettre au travail. Sa première mission, couper les tomates. Alors, je t'explique, tu mets une tomate dedans. Tu vas jusqu'au bout. Tu fais attention à tes doigts. D'accord. C'est bah, tout con. J'ai compris, ouais. Tu peux donner des gants ? Faut mettre des gants ? Dès que tu touches la marchandise, mieux vaut mettre des gants. Parce que je me suis lavé les mains quand même avant. C'est double sécurité. D'accord, ok. Bon, bah, je vais mettre des gants. Surtout quand on prépare la mise en place. Un qui suit, c'est déjà pas mal. Le respect des normes d'hygiène est capital dans une cuisine. Y déroger, c'est risquer une amende des services sanitaires. Et pour Rodolphe Valgren, c'est rassurant de voir qu'ici, les règles ont l'air suivies. Voilà, moi j'ai fait mon bacon. Ici, c'est ma saladette du chaud. Ouais. Donc j'ai un peu de tout, hein, des œufs. Là, j'ai du cheddar fondu. Là, j'ai du Tex-Mex. 11h. Œufs, oignons grillés, bacon. La mise en place est terminée. Et avant que le service ne débute, Jennifer et son apprenti du jour prennent le temps de déjeuner. Oh ben, bon app. Ben, bon app aussi. Bon appétit. Toi, t'as jamais fait de la cuisine du coup. Jamais. Tu fais quoi? Ben, en fait, je vis toujours chez mes parents. J'ai jamais trop travaillé. T'as jamais travaillé? T'as la chouette? 27.
Non, on dirait un peu moins. Toi, c'est pareil. Non, moi, je viens d'emménager, donc ouais. Pareil, hein, ça faisait un moment que... Non, si tu veux, j'ai déjà bricolé un peu en intérim, tout ça, mais j'ai jamais trouvé de boulot régulier. Donc là, si ça te plaît, tu pourrais bien te lancer... Et là, il faut à tout prix que je me barre de chez mes parents, parce qu'ils n'en peuvent plus, moi non plus. J'aimerais bien me trouver une meuf, tu vois, me prendre un appart et voilà. Mmh. 27 ans, il faut que je m'énerve un peu. Bah ouais. Midi, fin de la pause déjeuner et début de service en douceur pour les cuisiniers. L'heure est venue pour notre patron d'apprendre comment préparer un burger. Allez, tu me dis, hein, moi je... Ah, mais là, on est prêt, on attend les commandes. Voilà, tu vois, ça commence. Allez, super. Les recettes sont élaborées au siège par les dirigeants de l'entreprise et Rodolphe Valgren les connaît au mot près. Une occasion pour le patron de voir si sa formatrice du jour les maîtrise aussi bien que lui. En premier, tu mets tes oignons. En premier, les oignons. Ouais. Après, voilà. Tu mets ton bacon. Tu mets tes tranches de bacon. Tu en mets une sur chaque. Ensuite, tu mets ta sauce sur un steak haché. Pour la première fois depuis la création de son restaurant, Rodolphe Valgren a assemblé un hamburger. Il est maintenant prêt pour le service. Alors, dis-moi, là, où je vais? Là, viens là. Ici. Voilà, nickel. Ça tombe bien puisqu'il est 12h30 et que c'est l'heure de pointe. Dans ce restaurant, chaque midi, c'est 250 couverts. Les clients restent à table en moyenne 40 minutes. Les choses doivent donc aller vite, très vite. En 30 secondes, ça va sortir le Memphis et le cheese. Allô, ouais. Denis ? Ouais. Le Mountain est bleu à la 10. Okay. Ça veut dire quoi, le Mountain est bleu ? Bah, c'est la cuisson, ils m'ont envoyé une cuisson à point, mais en fait, ils le veulent bleu. D'accord. Donc là, je mets mon bacon, je le laisse un peu. Ils peuvent choisir la cuisson, les gens. Eh ouais. Ah ouais, ok, c'est bien ça. J'envoie juste parce que là, c'est des cuissons saignantes. D'accord. Les cuissons des viandes sont demandées et elle respecte toutes les cuissons des burgers. Ça, c'est très important pour moi. Ouais. Elle a une méthodologie qui est excellente. Elle fait toujours les mêmes gestes. La 16, elle est sur plaque. Je l'ai cassé, l'œuf. Ah, ben, faut le refaire. Rodolphe Valgren a beau être plein de bonne volonté, peu à peu, son manque de savoir-faire met le service en danger. Jenny, essaye d'accélérer, ça fait déjà 10 minutes. Eh ben, elle est là, en fait. Voilà. Je ne peux pas lui parler et lui expliquer en même temps, c'est pas possible. 3 burgers du mois simple. Jennifer, qui voit les minutes défiler plus vite que les burgers, commence à perdre la cadence et le rythme de son service. Je vais devoir reprendre la plaque, là, je peux pas te laisser faire... Allô, la 24, la 16, la 21, la 36 sur la plaque. J'ai été stressée parce que lui, il voulait faire, mais je pouvais pas non plus trop le laisser faire pour pas qu'il fasse non plus n'importe quoi. Faut quand même que moi, j'ai ma responsabilité du service, quoi. Donc je pouvais pas. Ce qui m'a un peu blessée et déstabilisée, c'est dès le départ, au bout de 20 minutes, Jenny m'a dit « Bon, je reprends les rênes, je reprends la cuisson, tu t'en occupes pas, tu me laisses faire. » Et elle a eu raison pour assurer le service et la qualité du service. Rodolphe Valgren a beau comprendre la décision de Jennifer, en tant que patron, c'est difficile pour lui de ne pas être à la hauteur de la tâche. Merci. Pour que son apprenti ne soit plus dans ses pattes et qu'il ne s'ennuie pas pour autant, Jennifer décide de l'occuper en lui confiant une tâche simple, faire les omelettes. Bien, voilà, et après tu laisses cuire. Ici, t'as cet ustensile-là, ouais. Ça permettra de râper dessus. J'en ai déjà fait des omelettes chez moi. Regarde, hop, tu mets ça là, ça tombe plus. Ok. Alors là, le même fils, il est là, là, nanana, ok. Dis-moi, je peux faire, là, j'ai du temps. Dis-moi, ouais, les steaks, moi, je te les mets. En fait, c'est pas ça, c'est qu'il faut que je me concentre en même temps, que je réfléchisse. Et il voulait, il m'a demandé, laisse-moi, je fais. Je dis, je vais bien te laisser faire, mais là, je peux pas. Il faut que ça sorte, j'ai pas envie de me prendre un retour parce que peut-être que tu vas m'enlever un ingrédient sur un burger, que tu vas me faire trop ou pas assez cuire, je peux pas me permettre de te laisser faire. Bon, mon omelette, je la pose de où, là? Je dois avoir une assiette salade. Une assiette salade. Attention, derrière toi, derrière toi aussi. Et là, elle est un peu baveuse. Hein. Elle est un peu baveuse. Oh, gaffe à les choses. Faut la remettre à cuire. Elle est trop baveuse? Ouais. Rodolphe Valgren n'a pas été à la hauteur du travail pourtant simple que lui a confié sa formatrice. Un moment difficile pour notre patron sous couverture qui avait très envie de se sentir intégré au service. Ouais, mais alors là, on va tout recommencer. Parce que ça va être froid d'ici là. Hein. Elle est pénible, elle me fait rien faire. Ce qui a été le plus compliqué pour moi, ça a été vraiment le fait de me sentir un peu freiné par Jenny. Parce que j'avais vraiment envie de rentrer dans le service et de voir où étaient mes limites. Je voulais vraiment qu'elle me mette dans le jus
et que je me retrouve débordé. Avant d'être débordé, l'apprenti d'un jour doit faire ses preuves. L'omelette, il va devoir s'y recoller. Il y a une autre cheese et omelette. L'omelette, elle est al dente. Eh ben vas-y, elle est belle. Et si tu me la fais glisser, essaie de me la mettre dans le pas en plein milieu de l'assiette. Tu veux que je te la mette où? Sur le côté, qu'on puisse garder une place pour mettre les frites. D'accord, ok. Ben voilà, nickel, parfait. Allez, la 35, elle sort. Allez. Eh ben elle est belle, son omelette. Elle est magnifique, ça. C'est une omelette de compétition, ça. Je n'ai jamais cuisiné. Elle m'a montré comment faire une omelette, elle m'a dit ce qu'il fallait faire. Et j'ai réussi à faire une omelette. Alors j'en ai loupé peut-être une ou deux parce qu'elles étaient un peu trop baveuses ou un peu trop cuites, mais dans le service, j'ai réussi à en faire une omelette de compétition. J'aurais gagné un concours avec. Très fier de moi. Elle était magnifique, même elle, elle m'a dit, elle est magnifique. Donc je suis assez fier de ça. Aujourd'hui, Rodolphe Valgren n'aura pas perdu sa journée. Désormais, il saura faire une omelette mieux que n'importe qui. Ludo, ça a été quelqu'un de facile à former parce qu'il était très attentif et dès que je lui disais quelque chose sur la confection d'un plat ou quoi que ce soit, ben, de suite, il me disait « Ok, c'est bon, je fais, donne-moi, je fais. » Le cheese, il est où? Il est parti. Ça y est, je l'ai envoyé déjà. 15h, fin du service pour Jennifer et son apprenti. Si elle ne lui a pas laissé la liberté d'en faire autant qu'il l'aurait espéré, notre patron en immersion a fait une belle rencontre. Je suis très fier de Jenny aujourd'hui. Elle en fait pas trop, elle en fait vraiment pas moins non plus. Elle fait tout comme il faut, proprement. Elle a une volonté, un dynamisme, une joie dans le travail. Pour moi, c'est un employé modèle. Avant de leur dire au revoir, Rodolphe Valgren a droit à un débrief en bonne et due forme par sa formatrice et le chef en personne. Bon, plusieurs points. On va dire qu'elle a quand même, à des moments, réagi elle-même pour envoyer des plats parce que sinon, il y aurait eu un peu trop d'attente. Eh oui. Le problème ici, c'est qu'ils arrivent, mais ils veulent être déjà servis et déjà partis. Hein. Il faut que tu aies 10 minutes, tu aies déjà envoyé le plat, quoi. D'accord. Ça fait donc longtemps que tu fais ça? Moi, je suis dans le métier de la restauration depuis l'âge de 15 ans. Ah oui, quand même. C'est vrai que moi, je suis plutôt de la cuisine traditionnelle. Ça te gêne pas, toi, de faire de l'assemblage? Si tu sais cuisiner, que tu as un côté créatif, là, il n'y a pas trop de... Bah, on va dire que tu prends une photo de ton assiette que tu as pris un crazy, bah, celui-là à Nîmes, il sera pareil. Celui-là à Béziers, il sera pareil. Celui-là à Lille, il sera pareil. J'ai compris, ouais, donc voilà. Il faut rester dans... Voilà, on n'a pas la possibilité de... Ouais. De prendre des virages. D'accord. Voilà. Bah, merci beaucoup. Hein. Merci. Et merci à toi. Et à bientôt. Bon, sur la bise, du coup. À bientôt. Et puis. Merci. Bonne continuation. Ciao, ciao. Et ciao, tout le monde. Merci. Bonne soirée. Ciao. Ciao. Ce matin, en se rendant dans la cuisine de ce restaurant, notre patron était venu s'assurer que les consignes, les recettes et la technique qu'il avait mise en place étaient respectées à la lettre. Ils suivent l'intégralité de tout ce que nous leur avons préconisé. Ils n'y dérogent en aucun point. Je suis persuadé que le fait de suivre mes process et toute la méthodologie que nous avons mise au point avec notre concept est un gage de réussite. J'en suis convaincu et heureusement, je le vérifie aujourd'hui. L'heure est venue pour Ludovic Leroux de quitter sa tenue de cuisinier et de rentrer à l'hôtel se reposer. Après cette journée dans les cuisines de son propre restaurant, beaucoup d'émotions se bousculent. Je me sens un peu déstabilisé par l'immersion. Je suis déguisé en Ludovic et ça m'amuse et surtout ça m'enrichit. À tel point que je risque de trouver mes journées de travail monotones lorsque je vais reprendre mon poste de président de l'enseigne. Le soleil ne s'est pas encore levé. Mais notre patron se prépare pour cette nouvelle journée d'immersion au cœur de sa propre entreprise. Voilà, il est 5h30 du matin, j'ai hâte de prendre mon nouveau job de Ludo. J'ai une petite appréhension quant au travail qui m'attend, mais je suis plutôt en forme et plutôt serein et motivé, donc j'ai hâte que l'usine ouvre tout à l'heure. Depuis quelques jours, Rodolphe Valgren a quitté son costume de PDG pour celui de jeune homme à la recherche de son premier emploi. Ça me met un peu de gel ce matin. Et c'est dans la peau de Ludovic que le patron prend la route pour la périphérie nîmoise. Et qui fait bon. Ce matin, je ne suis pas rassuré.
ne sais pas exactement ce que je vais découvrir dans l'usine. Je n'ai pas l'habitude du travail manuel. J'espère que je serai à la hauteur. Si aujourd'hui, Rodolphe Valgren se rend à l'usine, ce n'est pas un hasard. Le concept de ces restaurants, ce n'est pas que des hamburgers, c'est aussi une atmosphère et une ambiance années 50. Dans un souci d'harmonie et d'économie, il fait construire tout le mobilier dans sa propre usine et le patron met un point d'honneur à ce qu'il soit de qualité. Le plus ne réside pas forcément dans l'assiette. C'est avant tout un voyage que l'on offre à nos clients. Lorsqu'ils rentrent dans un coffee, ils sont dans une bulle qui est complètement hermétique au monde actuel. L'usine de fabrication de meubles, c'est 450 mètres carrés d'entrepôt, 200 tables, chaises et banquettes à faire par mois et 4 salariés qui travaillent sans relâche du lundi au samedi de 8h à 17h afin de tenir les délais pour l'ouverture des prochains restaurants de l'enseigne. Je vais à l'usine de mobilier que j'ai créée il y a un an pour pallier à certaines problématiques d'approvisionnement, surtout de délais d'approvisionnement, de qualité. Et j'espère que les conditions de travail sont optimales pour pouvoir affronter le rythme soutenu qui nous attend de 15 ouvertures l'année prochaine. Pour Rodolphe Valgren, c'est l'avenir de son enseigne qui est en jeu. Avec l'ouverture des 15 restaurants prévus, le rythme de production a été multiplié par 4 dans l'usine. Il vient vérifier que les livraisons pourront être faites à temps. Pour justifier la présence de nos caméras sur le terrain, nous avons prétexté le tournage d'un documentaire sur les jeunes à la recherche d'un premier emploi et vivant encore chez leurs parents. Benjamin, je te présente ton assistant. Ça marche. Alors Ludovic, salut. Aujourd'hui, c'est Benjamin qui, sans le savoir, va former son patron. À 24 ans, Benjamin est en CDI depuis 5 mois dans l'usine. Il est poseur. Son job consiste à construire les chaises et les banquettes des restaurants. Une fois le mobilier assemblé, c'est lui qui est en charge de l'installation dans les diners. Il est payé 1 550 € par mois et touche des heures supplémentaires. Anciennement webmaster, il a dû se reconvertir et a appris son métier grâce à Frédéric, son chef d'atelier qui lui a transmis son savoir-faire. Aujourd'hui, il est fier de pouvoir le faire à son tour. Alors, je vais t'expliquer ce qu'on fait dans l'atelier. Oui. Alors, on fait tout ce qui est les banquettes, étables, chaises. On fait tout sur place. Ici, dans l'atelier, on reçoit les panneaux de bois, oui. On les découpe, dessus on colle la mousse, on met le tissu et après on fixe, on assemble les banquettes, on fixe les tissus dessus et c'est bouclé et c'est emballé. D'accord. Voilà. Tout est dit. Ludovic est tout de suite dans le bain. Avec 15 ouvertures de restaurants prévues avant la fin 2013, une centaine de banquettes par diner à fabriquer, pas le temps de traîner. Moi, je vais tracer et après, je vais te montrer pour découper. Pas aussi simple. Il est 8 heures. Première étape pour notre apprenti, découper des blocs de mousse qui serviront d'assises aux futures banquettes. À peine commencé, le patron incognito va être face à une première difficulté. C'est vrai que c'est pas très pratique, ça. Ouais, pas vraiment. C'est juste qu'il manque une rallonge. Ça sera mieux avec ça, je pense. Ne pas avoir de prise. Il y a un problème d'organisation. Là, on vient de finir le découpage. Du coup, là, on va passer à l'agrafage. Deuxième étape dans la fabrication des banquettes et deuxième apprentissage pour notre patron, rattrapé par son manque de savoir-faire. Ouais, j'ai un peu... je me suis un peu loupé sur celle-là. Tu veux pas charger ? Je les enlève ? Ouais. Ah, non, vas-y, tu peux les taper, tu prends le marteau. Les tapes, d'accord. Les tapes... Ok. Mais elle a pris quand même, hein. Allez, tu peux y aller. Il fait des petites erreurs, mais c'est normal. Il les voit, donc c'est l'essentiel. J'ai fait quelques loupés, mais c'est toujours rattrapable. On a réussi à rattraper et à refaire les choses correctement. Donc, il n'y a pas eu de casse ou de perte ce matin, en tout cas. 10 heures. Cela fait maintenant 2 heures que notre patron travaille dans sa propre usine en tant qu'apprenti. Et la fatigue commence déjà à se faire sentir. Ok, alors 10 heures. Oh, c'est pas possible, 10 heures. C'est vrai que ce matin, j'ai demandé l'heure à quelqu'un, j'avais pas de montre. Je pensais qu'il était au moins 13 heures. On me dit non, il est 10 heures. Bon, alors j'ai dit... effectivement, il me reste encore quelques heures à attendre avant le déjeuner. Mais c'est pas négatif pour mon régime. J'ai l'impression qu'il fatigue un peu, mais on verra cet après-midi s'il tient le coup. Eh, mais ça sent la colle un peu quand même. Un peu, ouais.
Quand il y a une autre colle d'habitude qu'on utilise là-bas, ça démonte la tête, ça, par contre. Ah ouais, mais faut mettre des masques ou... Ouais. Bon, ça se passe en cabine, ça, c'est mieux. Je n'y connais rien dans ce métier, mais je pense qu'il n'est pas normal qu'un employé colle à 5 ou 10 mètres des autres qui n'ont pas de masque. Ce ne sont pas des conditions de travail idéales. Troisième étape. Benjamin va, sans le savoir, initier son patron au maniement de la ponceuse. Il n'y a pas un endroit où te mettre... C'est là que tu le fais d'habitude ou tu le fais... Parce que là, moi, je le mets dessus. Comme les établis sont pris, du coup, d'accord. Je vais le faire dessus. OK. On va plutôt les mettre sur les joues, comme ça. Comme ça, là, ici, par exemple. Ouais, c'est le mieux. Mais il n'y a pas beaucoup de place ici. Ce matin, ce qui m'a gêné par rapport à ce qu'on a fait, c'est déjà, à mon sens, un manque de place dans l'atelier. Il manque des plans de travail pour pouvoir poser les banquettes. Je me suis vu à un moment travailler presque à même le sol. C'était bancal. On ne peut pas faire du bon travail dans ces conditions. Comment vous faites si jamais il y en a plus ? S'il n'y a plus de place ? S'il y a plus de restaurants, quoi. On ne pourra pas. Grâce à cette journée d'immersion, je prends non seulement conscience des conditions de travail inacceptables de mes collaborateurs, mais aussi du fait que l'ouverture des restaurants prévus dans les mois à venir est compromise. Un risque que je ne peux pas me permettre de prendre. C'est bon, on va aller manger. Hop, ouais. Ouais, c'est parti. Allez, hop. Rodolphe Valgren oublie son statut d'apprenti et profite de la pause pour en savoir un peu plus au sujet de Benjamin. Toi, tu veux reprendre tes projets de faire un truc dans l'informatique ou tu te vois continuer dans cette boîte s'il y a de l'évolution ? Qu'est-ce que tu vas faire ? S'il y a de l'évolution, ouais, je vais... pourquoi pas ? Mais je pense que pour l'instant, j'espère que c'est temporaire. J'ai quand même un CDI, donc c'est sympa. Mmh. C'est même bien comme... Pour faire plein de choses, c'est bien, mais en fait, je vois pas trop l'évolution ici, là, chez Dinner. Parce qu'il y a Frédéric qui est là, et c'est lui qui fait déjà tout. Donc, moi, au niveau d'évolution, il n'y a pas grand-chose. Ouais, mais ça paye bien ici ou... C'est plus que le SMIC, ouais. Ah ouais. Et bon, je me dis, gagner ce que je gagne pour le travail que je fais, c'est quand même assez dur. C'est dur, hein. Ouais. Ah ouais, c'est un métier qui est dur, hein. J'ai cru comprendre que la rémunération lui convenait, mais que par contre, par rapport à la pénibilité de la tâche, elle était un peu juste. Je rentre chez moi, je me couche et je dors. C'est pratiquement ça, je t'assure. Ouais, parce que moi, là, j'ai fait que la matinée. Déjà, je le sens. Quand on travaille beaucoup comme ça, en général, on se lasse. Peut-être serait-il plus judicieux d'embaucher une autre personne encore à 20h ou 30h que Benjamin ne craque pas et puisse rester performant sur la longueur. La charge de travail a été multipliée par 4 et notre patron vient de prendre conscience que s'il ne trouvait pas une solution rapidement, il prenait le risque de perdre Benjamin. Il est 14h. C'est reparti pour le formateur et son apprenti. Ils doivent maintenant confectionner des boudins qui serviront à la finalisation des banquettes. Donc là, tu vas voir un peu la cadence pour pouvoir tenir les délais. Donc tu prends ton agrafeuse, derrière, tu te prends un dossier. Oui. On va accrocher que les côtés. D'accord. Donc là, du coup, tu commences par mettre une agrafe au milieu, aux extrémités. Après, tu retournes, tu tires sur la dessus. Tu viens rabattre et là, tu mets 2 agrafes. Frédéric, le responsable de l'usine, veille à la rentabilité de la journée. Un petit peu, hein, parce que là, ça va passer rapidement. Comment ? Dans une heure, il devrait y en avoir 35. Il est sympa, le chef, mais il met la pression quand même. Il met la pression, mais gentiment. Avec l'ouverture des 15 restaurants dans les mois à venir, la cadence est soutenue et le rythme un peu trop rapide pour notre patron. J'ai plus de bras. C'est physique, ça, hein ? Ouais. T'es toujours en train de tirer, de forcer.
Il s'avère que Benjamin allait à peu près deux fois plus vite que moi. Il fallait forcer. C'était répétitif. Hop. Malgré la charge de travail, Ludovic est d'humeur taquine. Il se lance dans la course au boudin et pour cela, il adopte une méthode très personnelle. Dès qu'il se baissait, je lui piquais une pièce ou deux. Il se disait, mais c'est pas possible. Combien vous êtes là ? 3, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39. Plus d'une heure, une cinquantaine de boudins et quelques souffrances plus tard, mission accomplie pour Benjamin et Rodolphe Valgren, qui ne se remet pas du rythme de sa journée. Il travaille comme ça tous les jours, c'est vraiment impressionnant. Je n'aurais jamais cru qu'il puisse travailler aussi intensément et aussi vite, avec des mouvements aussi rapides. Et ça ne s'arrête pas toute la journée, toute la journée, toute la journée. Donc j'ai été impressionné par leur travail. Il est 17h, fin de la journée d'immersion à l'usine pour notre patron incognito. Dans quelques jours, il révélera sa véritable identité à Benjamin, qui ignore qu'il a passé la journée à former son propre PDG. Merci beaucoup pour ta formation. Écoute, merci pour ta main d'œuvre gratuite. Merci. Ludo, il était donc à l'écoute, attentif. Il a quand même bien travaillé. Il m'a filé un bon coup de main sur les boudins. Donc c'était un bon élément. C'est vrai que tu m'as tout bien montré et ça me plaît bien quand même. Je trouve que c'est intéressant. Donc, Mais tant mieux, écoute, c'était sympa aussi de t'avoir, de te former. Moi, ça me met un peu à l'épreuve aussi de voir comment je peux me débrouiller pour apprendre. Donc, c'est bien. Bah, écoute, merci encore et puis j'espère à bientôt. Hein. Ça marche. Allez, à bientôt. Merci. Ciao. Alors, Benjamin m'a fait une très, très forte impression dès le départ et sur toute la longueur jusqu'à la fin. C'est quelqu'un de très, très, très travailleur pour son âge, d'une maturité incroyable. J'étais pas aussi mature que lui à son âge. J'étais surpris par sa capacité de travail. Ce matin, Rodolphe Valgren était venu dans son usine pour vérifier que le mobilier serait prêt en temps et en heure pour l'ouverture des prochains restaurants. En passant la journée avec Benjamin, il a pris conscience que, dans ces conditions, ce serait impossible. La seule solution que je vois, c'est une décision importante dans l'entreprise, serait de déménager de ce local qui est beaucoup trop petit. Il faudrait le double de la surface. En se rendant sur le terrain, notre patron a pris conscience d'une réalité qui aurait pu avoir de graves conséquences sur le développement de son entreprise. Je savais qu'en tant que patron, bien des informations n'arrivaient pas jusqu'à moi. Aujourd'hui, j'ai mis le doigt sur un dysfonctionnement grave et dès mon retour au bureau, j'en parlerai à Alain, le responsable de l'usine. Sa journée enfin terminée, il se rend à Orléans où il a rendez-vous demain pour sa dernière formation. J'ai passé une bonne journée, éprouvante. Tôt le matin jusqu'à tard le soir, je ne me suis pas arrêté. Je suis physiquement un peu fatigué. Mais j'ai eu une certaine satisfaction à vivre ce que j'ai vécu. Cela fait maintenant plusieurs jours que Rodolphe Valgren est incognito au cœur de sa propre entreprise. D'ici peu, Elena, Benjamin et Jennifer découvriront qu'il n'est pas un stagiaire en formation, mais le patron de l'entreprise qui les emploie. Je suis Rodolphe Valgren. Président fondateur de Fox Film. Mm-hmm. Je ne suis pas Ludo. Bonjour. J'ai pu constater de gros problèmes de respect du concept. Tu préfères qu'on se vouvoie ou qu'on se tutoie ? À vous voir comme ça, je préfère vous voir. Comment réagiront-ils à l'annonce de cette nouvelle ? Orléans. À 700 km de chez lui, loin de son confort habituel, Rodolphe Valgren se réveille. C'est la dernière ligne droite. Dans la peau de Ludovic, il se prépare pour son ultime journée d'immersion au cœur de sa propre société. Aujourd'hui, il va s'essayer au métier de plongeur. Le métier de plongeur est l'un des plus pénibles et ingrats de la restauration. Il y a beaucoup de turnover à ce poste. Au restaurant d'Orléans, ils ont le même plongeur depuis l'ouverture. Je vais essayer de comprendre comment ils ont réussi à le fidéliser. Les plongeurs ont pour mission de faire la vaisselle. Assiettes, couverts, verres, à raison de 260 clients en moyenne par jour dans ce restaurant, cela ne s'arrête jamais.
Si ce métier ne demande pas de qualification particulière, dans un restaurant, il est clé. La cadence est soutenue et il faut la tenir. 10 heures. Ludovic, apprenti plongeur, est accueilli par Reynald, qui est le gérant du restaurant. Je vous présente JR, avec lequel vous allez travailler en binôme. Bonjour monsieur. Oui, monsieur. Bonjour. Venez, venez. Je suis Ludovic. Jean-René. À 54 ans, Jean-René, dit JR, occupe le poste de commis plongeur depuis l'ouverture du restaurant d'Orléans il y a 2 ans et demi. Son job consiste à s'occuper de la plonge, c'est-à-dire que c'est lui qui est en charge de laver toute la vaisselle utile au service. Il travaille 39 heures par semaine et gagne 1500 euros brut par mois. Avec plus de 35 ans de carrière dans la restauration, JR a connu bien des métiers. Pêcheur à Terre-Neuve, serveur à Paris, maître d'hôtel. Si des problèmes de santé l'ont poussé à quitter le métier de la salle, il était hors de question pour lui d'abandonner la restauration qui est sa passion. Ah oui, j'aime bien mon boulot. Il y a toujours, toujours quelque chose à faire. En cuisine, c'est l'idéal, on n'arrête pas. On n'arrête pas et on ne voit pas le temps passer. Hein. JR ignore qu'aujourd'hui, il va former le PDG de son entreprise à son métier. Sans plus tarder, il commence par lui montrer son petit espace. Là, ici, ça fait toujours. D'accord. Tout le temps. Vous avez les bagues pour laver les salades en cas d'urgence. Les verres ici, uniquement. Là, que les verres. Et les couverts. Ici, on ne passe que les grosses casseroles et les assiettes. À part les couverts et les verres, tout ce qui revient de la salle, ça passe ici. D'accord. Okay. Ici, un grand coup de feu, on se fait déboîter. Hein. On se fait déboîter. On se fait déboîter. 10h30. Ludovic doit maintenant se concentrer et écouter attentivement les explications de JR, son formateur du jour. Première étape, apprendre à se servir de la machine à laver. Ces gamelles-là, par contre. Oui, je mets là-dedans. Voilà. Ici. Et là, je ferme avec. Alors, ça. Alors, comme ça dépasse comme ça, il faut viser à peu près. Je vise. Ouais. OK. Et là, je ferme. Là, vous fermez. Et à vous. Voilà, c'est ça enclenche. Ça s'enclenche, direct. OK, super. Malheureusement pour notre patron, faire la plonge, ce n'est pas seulement actionner des machines. Une partie des ustensiles de cuisine doit être lavée à la main. Rodolphe Valgren en profite pour interroger son formateur. Et toi, tu penses que tu vas finir ta carrière en restauration? Ah oui, 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 je vais faire mes 40 années, puis ça va être bien. 40 années de restauration? Ouais. Puis on s'arrêtera là. Parce que quel âge 4. Tu as, toi? Je m'en vais sur 55. 55? Ouais. Et tu penses que tu vas rester dans cette boîte ou tu vas changer? Oh, je reste ici. Tu restes ici? Oui. Une fois la vaisselle propre, il doit faire la mise en place, c'est-à-dire ranger les assiettes pour gagner du temps lorsque le service débutera. Les assiettes. C'est pas bon qu'on arrive. Moi, j'ai pas faim. La vaisselle terminée, JR demande à son apprenti de nettoyer de la salade. Une première pour Rodolphe Valgren, qui n'a pas l'habitude de ce genre d'activité. Je sais pas qu'est-ce qui est. Ben, on enlève toutes les feuilles. Toutes les feuilles sont pas bonnes. Ouais. Les premières, de toute façon, il faut les enlever. Oh putain, j'ai failli me couper. Hein. C'est un métier dangereux, cette affaire. Mais non, il y a rien de dangereux sur Terre. Nous utilisons de la salade qui est déjà emballée sous vide. Effectivement, ça coûte un peu plus cher, mais moi je sais que sur la longueur, on gagne en main-d'œuvre, en gain de temps. Première constatation pour notre patron qui pense avant tout à la rentabilité. JR, qui ne connaît pas la véritable identité de son apprenti, ne le ménage pas. Il veut lui montrer toutes les facettes de son métier et en oublie parfois les règles élémentaires. C'est pas gênant qu'on les pose par terre, non? Non. Ben si. En fait, j'avais pas fait gaffe. C'est pas grave. C'est pas la grave. Salade n'a pas touché à terre. D'accord. C'est principal. La salade en elle-même n'était pas en contact avec le sol, mais ça, ce sont des règles d'hygiène qui sont c'est strictement interdit. Ça, c'est pas bon du tout, ça. Ça atteint même le sol. C'est catastrophique. C'est pas normal. On se prend une petite pause? Allez, je te suis. 11h30, la mise en place est terminée. L'heure est venue pour nos deux commis plongeurs de souffler avant de commencer le service. Toi, tu as passé par tous les postes un peu? J'ai passé par tous les postes. Maître d'hôtel, adjoint de direction, en cuisine. La seule chose que j'ai pas fait, patron. Et quel genre de patron tu aurais été? Tu aurais dur. Été dur avec tes salariés? J'aurais été très dur, humain, mais dur. Non, plus suis... dur que ce qu'ils ne sont avec toi ou ce qu'ils plus n'ont été avec mon patron avec elle, ça c'est sûr. La personnalité de JR m'impose un réel respect. C'est quelqu'un qui me surprend par sa motivation et son professionnalisme. Et on va avoir une pause à quelle heure là? Bah là on va faire... pouvoir manger à quelle heure? Là on va manger à peu près à 18h30.
Mais c'est-à-dire que là, de jusqu'à 18h, on mange pas. On mange pas. On mange pas. Non. D'accord. Je m'excuse, messieurs. La pause, c'est 5 minutes. Ça serait bien de retourner à votre poste parce qu'on a un peu de travail, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Merci. Rodolphe Wahlgren n'imaginait pas une seconde que ses collaborateurs pouvaient passer une journée entière sans déjeuner. Le service démarre doucement et il est hors de question pour lui, qui n'est pas habitué à ce rythme, de s'y remettre le ventre vide. Bon, est-ce que j'ai une tête à me laisser mourir de faim ? Pas possible, ça. Il va falloir que je trouve une petite solution. Notre patron n'a pas tort de prendre des forces. Ah, ça accélère la gire. Ça fait pas du métier, ça. Nous sommes dimanche, il est 12h30 et pendant 4 heures, cela ne va plus s'arrêter. Gire, je mets où ces boîtes-là ? En haut. Là, je mets les verres là-dedans. Les verres là-dedans. Ça roule. Oui ? Est-ce que vous avez des couteaux pour moi ? On va les faire découvrir. On va les faire. Rodolphe Wahlgren se donne à fond et tente de suivre le rythme imposé par son formateur qui, malgré tous les efforts de son apprenti, n'est pas convaincu. C'est pas sa place. Si un jour il veut vraiment arriver dans une cuisine, il va falloir qu'il revoie la copie de A à Z. Ludovic ? Oui ? Il va falloir accélérer, passer à la cinquième et je te revois avec. Là. D'accord, ok. Oui, ils viennent. J'ai trouvé que le travail était constant. Toute la journée, ça ne s'arrête pas. Il lâche la profession tout de suite. Hein. Ça, c'est... qu'il reste bien au chaud, mais pas dans une cuisine. Le côté répétitif du métier de plongeur rend le travail pénible. Et notre patron comprend peu à peu pourquoi, à ce poste, il y a tant de démissions. Ça fait 5 heures que ça s'arrête pas. Des assiettes, des verres, des assiettes, des verres, des couverts. Pas faire ça tous les jours, c'est pas possible. Le métier de plongeur est le plus difficile dans la restauration. La plupart des employés démissionnent rapidement et cela crée un réel déséquilibre dans les établissements. Pourtant, JR fait ce métier depuis plusieurs années maintenant. Et s'il y trouve son compte, c'est parce qu'il a d'autres responsabilités plus intéressantes. J'ai entendu un bruit, là, JR. On chompe pas, là. J'ai vu un ticket sortir, là, JR. Alors, le ticket, c'est un ticket qui est sorti, là. Glace, enfant, chocolat. En plus de s'occuper de la plonge, chaque jour, JR prépare plusieurs centaines de desserts. Un rôle qu'il prend très à cœur. On ne doit pas rester uniquement qu'à la plonge. Il y a de la mise en place à faire pour le start, il y a les mises en place à faire pour le dessert, il y a tout ça. On ne peut pas faire que la plonge, ce n'est pas possible. On fait les deux et on fait même de la mise en place. Mmh. On prépare les salades, on prépare les tomates, on prépare pas mal de choses. Celui qui sait bien gérer son truc. Notre patron en immersion vient de faire une découverte. Afin de pallier aux démissions à répétition des plongeurs, ici, on leur a attribué d'autres responsabilités. Mais ces responsabilités supplémentaires ne sont pas sans conséquences. C'est très, très important. La masse de travail est très importante. Je pense que cette organisation permet aux plongeurs de se sentir pleinement intégrés à la cuisine et de ne pas se fatiguer du travail répétitif et lassant qu'impose le métier. C'est nickel, mais il y a une chose que tu as oubliée. C'est quoi ? Ranger toute la vaisselle. 18h. La journée se termine enfin pour Rodolphe Wahlgren qui a passé quelques heures avec un employé passionné par son métier. Ça, carrément au start. JR, si j'avais pas été là, tu aurais tout fait tout seul alors. La plonge et les desserts. Plonge et desserts. Tout seul. Ouais. Et tu t'en serais sorti. Ouais. Je trouve ça complètement hallucinant. Je suis même choqué de cette capacité. De travail qu'il a. Bon, ben, JR, merci beaucoup alors hein, pour cette journée de formation. Et puis, peut-être à bientôt. À bientôt. À bientôt. Rentre bien. Merci. Le patron souhaitait se rendre à Orléans pour comprendre comment, ici, ils avaient réussi à fidéliser un plongeur à son poste. Je pense que pour lui, c'est un peu une fierté de lâcher le poste de plongeur pour se concentrer sur d'autres postes. Et quand il le fait, il essaye de le faire au mieux.
En passant cette journée d'immersion avec JR, j'ai compris que ce qu'il faisait tenir, c'était d'avoir la responsabilité des desserts. À mon retour au bureau, je vais voir comment réorganiser le travail des commis plongeurs dans ce sens. Ce qui est certain, c'est qu'ils ne peuvent pas tout faire seuls. Aujourd'hui, notre patron a trouvé des réponses à ses questions, mais pas seulement. J'ai passé une très bonne journée avec JR, mon formateur, qui est quelqu'un qui m'a beaucoup touché, beaucoup ému. Il est bientôt près de la retraite et il est toujours aussi motivé. Ce qui m'émeut le plus, c'est cet amour qu'il a pour le métier, pour la restauration. Et c'est pour moi la rencontre la plus forte de l'expérience. Yeah, yeah. Cela fait maintenant une semaine que notre patron vit incognito au cœur de sa propre société. En choisissant de vivre cette expérience, il a accepté de faire face à la réalité de son entreprise. Comment vous faites si jamais il y en a plus ? S'il n'y a plus de place ? S'il y a plus de restaurants encore ? On ne pourra pas. On ne peut pas faire du bon travail dans ces conditions. C'est parti tous. Hein. C'est pas bon du tout. C'est catastrophique. Et de voir le vrai visage de ceux qui, chaque jour, font de son enseigne ce qu'elle est. L'aventure est maintenant terminée. Avant de révéler sa véritable identité à ses salariés, Rodolphe Valgren a convoqué les dirigeants de son équipe pour leur parler de sa semaine d'immersion. Il a passé une semaine sur le terrain pour vérifier que les process qu'il avait mis en place étaient bien respectés, ainsi que la faisabilité de l'ouverture des prochains restaurants. Émilie, l'assistante de direction, Nicolas, le chargé de communication, Alain, le co-gérant de l'usine, Benoît, le responsable de la restauration, Nicolas, l'expert comptable et Jeanne, la juriste. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Ce sont eux qui sont au plus près des collaborateurs sur le terrain et le patron va leur annoncer les mesures à prendre. Comme vous le savez, je viens de passer une semaine en immersion dans les différents établissements de notre groupe. J'ai pu pénétrer au cœur de notre entreprise. J'ai vu des choses qui m'ont fait très plaisir et j'ai vu des choses aussi qui ont pu me heurter. Nous avons donc du travail. Alain, vous êtes le directeur de l'atelier de fabrication. J'ai découvert une équipe extrêmement motivée, dynamique. J'ai vu par contre des conditions de travail pas idéales. Je pense que l'atelier n'est pas assez grand et qu'il y a des réels problèmes de rangement et d'organisation. Mmh. J'ai vu des gens collés à côté d'autres employés qui étaient en train d'agrafer, donc qui respiraient la colle sans masque. Mmh. Pour moi, ce n'est pas des conditions de travail qui sont acceptables. Ouais. Donc je souhaiterais que dès à présent, on se mette à la recherche d'un autre atelier au moins deux fois plus grand et que vraiment on fasse les choses comme il faut. Benoît, je suis allé à Marseille. Le concept Memphis n'est pas juste dans l'assiette. Ça fait partie d'un ensemble et tous les détails ont leur importance. J'ai vu des serveuses qui ne mettaient aucun drapeau sur les hamburgers. Il manque les drapeaux américains, non ? Pardon, excuse-moi. J'ai vu des employés qui ne proposaient pas la cuisson des viandes à leurs clients. Ce sont des petits détails, des petites erreurs, mais qui font que notre concept n'est pas respecté dans son intégralité. Émilie, je souhaite donc que vous accentuiez la formation et que vous puissiez vous rendre sur les différents sites de nos établissements plus régulièrement. J'ai vu en revanche des établissements qui sont tenus de manière idéale, exemplaire, comme à Toulon, où j'ai découvert un restaurant avec une équipe, une réelle solidarité entre les employés, un concept qui est respecté de A à Z et maîtrisé sur le bout des doigts. Nicolas, je souhaite donc que tu communiques à l'ensemble de nos partenaires et de nos franchisés et de nos employés que ce restaurant va devenir une unité pilote de formation. Donc ça veut dire le restaurant de pilote référent sur l'ensemble du groupe. Sur le groupe. Okay. Je suis allé aussi à Orléans. Dans ce restaurant, il n'y a pas de plongeur. C'est-à-dire que le poste plonge et tournant, ça redonne de la valeur au métier de commis de cuisine. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une journée en plonge, je pense qu'on est extrêmement content le lendemain de passer en cuisine, de faire son poste. Lorsqu'on souffre un peu une journée, on est content le lendemain de faire quelque chose d'un peu plus intéressant.
Voilà. Maintenant, il est temps pour moi d'aller révéler ma réelle identité à mes formateurs. À plus tard. La direction a demandé aux 4 salariés de se rendre au siège de la société. Ils n'ont aucune idée de la raison pour laquelle ils ont été convoqués. Je ne sais absolument pas pourquoi je suis convoqué là-bas. Donc forcément, ça met un petit suspense et une petite montée de pression. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura qui? Qu'est-ce qu'on va me demander? 1, 2, 3 et 4. Ça, c'est les cuillères à milkshake. Ça va où, ça? On s'en fout. On s'en fout, d'accord, ok. J'ai beaucoup de questions dans la tête, ouais. J'ai jamais été convoquée auparavant. C'est la première fois. Personne ne m'a rien dit, personne ne... Je sais pas, je trouve pas ça normal du tout. C'est pas bon du tout, c'est... Le retrouver, remercier maintenant, à 54 ans, pour me reclasser, après c'est fini. J'ai fait venir les 4 salariés avec qui j'ai travaillé. Je vais leur dire qui je suis vraiment. Je vais leur dire la vérité. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Vous me reconnaissez? Non. Rodolphe, je me rappelle pas votre nom. Vous me reconnaissez? Ouais. La forme de bouche et le nez. Le sourire que vous aviez quand vous êtes arrivé à la plonge. Je suis Rodolphe Valgren, président fondateur de Memphis Coffee. Mm-hmm. Je ne suis pas Ludo. Oui. L'apprenti serveur en formation. Mon Dieu. Désolée. Écoute, dans la restauration, on commence les trucs, on le finit. Je vais aller me redresser là-bas, s'il te plaît. Oh, c'est pas vrai. D'accord. Enchanté. On m'a fait jouer à quel jeu, là. Je suis Rodolphe Valgren, président fondateur de Memphis Coffee. Donc, j'ai tutoyé mon big patron, quoi, en fait. Et tu peux toujours le tutoyer. Ludovic ? Oui ? Il va falloir accélérer, passer à la cinquième et le turbo avec, là. Putain, je tombe de haut. Je peux rigoler ? Bien sûr. Non ! Eh oui. C'est le truc de fou. C'est trop fou. Qu'est-ce que tu as pensé au fond de Ludo? Franchement, je me suis dit, mais d'où il sort? J'ai 27 ans, j'habite chez mes parents, j'ai rien fait de ma vie. Mais c'est quoi? Je me suis dit, mais d'où il sort ce mec? Là, il faut à tout prix que je me barre de chez mes parents parce qu'ils n'en peuvent plus, moi non plus. J'aimerais bien me trouver une meuf, tu vois, me prendre un appart et voilà. Ça vous a plu de faire ça? Ce qui m'a plu, c'est de rencontrer quelqu'un comme toi. Je trouve que tu es extrêmement... Tu as beaucoup de professionnalisme. Merci. Et que tu respectes vraiment le concept tel que je l'ai créé. Grâce à toi, grâce à vous, grâce à tous les employés, j'ai trouvé que c'était un établissement modèle. Et j'ai décidé d'en faire un établissement pilote, de façon à vous envoyer les salariés en formation pour que vous puissiez leur transmettre votre savoir-faire et votre méthodologie. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, je suis flattée. Tout ce que vous m'avez dit sur moi, déjà, j'en reviens pas. J'ai adoré ta personnalité et ton enthousiasme. Donc, j'ai vraiment l'intention que tu puisses évoluer rapidement dans l'entreprise. Je souhaiterais que tu évolues dans les mois qui arrivent au poste de seconde de cuisine. Et aussi, j'ai pu me rendre compte que vous faisiez beaucoup d'assemblages en cuisine et pas beaucoup de création. J'ai l'intention de vous donner la possibilité de faire remonter vos créations au siège social. Et tous les mois, on choisira parmi la meilleure création. Alors, si c'est toi en l'occurrence, il y aura ta photo sur l'affiche avec ton nom
et tu toucheras une prime par le siège à chaque fois que tu seras sélectionné pour ton travail. Tu restes bouche bée. Ben ouais, moi ça me dirait bien, pourquoi pas. Mais c'est un truc de fou. Jamais j'aurais pensé que ça pouvait être le grand boss, quoi. C'est un truc, j'en reviens pas. Je suis trop contente. Non, c'est une expérience de fou que vous m'avez fait vivre. Benjamin, je t'ai trouvé très performant, très à l'écoute et très motivé et dynamique dans ton travail. J'ai vraiment envie de te donner envie de rester avec nous. Ouais. Et que tu puisses faire un bout de chemin avec nous. Gagner ce que je gagne pour le travail que je fais, c'est quand même assez dur. C'est dur. Hein. Je rentre chez moi, je me couche et je dors. C'est pratiquement ça. Je me suis rendu compte que il y avait certaines choses à améliorer dans l'atelier. C'est-à-dire que je trouve que le local est beaucoup trop petit. Il va falloir, à mon sens, déménager, trouver un local au moins deux fois plus grand. Mais il n'y a pas beaucoup de place ici, hein. Ah non, ça c'est sûr. Comment vous faites si jamais il y en a plus? S'il n'y a plus de place? S'il y a plus de restaurants encore? On ne pourra pas. Maintenant, j'ai quelque chose à te dire. Tu n'as pas trouvé, en agrafant les boudins, que j'allais assez vite? Si, quand même. J'ai pas osé le dire parce qu'il fallait quand même speeder, mais bon, je dois avouer quand même que t'en as fait pas mal, quand même. Alors, il faut que je t'avoue quelque chose, c'est qu'à chaque fois, je faisais exprès d'attirer ton attention ailleurs et je te piquais deux, trois boudins que je remettais sur ma pile. Et je te voyais, tu étais toujours décontenancé, tu regardais ma pile et je voyais que tu comprenais pas. Ça me paraissait bizarre parce que j'ai quand même l'habitude d'en faire et au début, j'étais pas aussi rapide. Donc là, je dois avouer qu'il m'a encore une fois bluffé. Et pour tout te dire, j'en ai parlé à Frédéric. Et je lui ai dit quand même, pour les boudins, il est assez rapide. Donc là, je me suis fait avoir en beauté. Bah écoute, Benjamin, je te remercie pour tout. J'ai rencontré quelqu'un de très bien. Tu as été un formateur exemplaire. Et je te remercie pour ça. Ben, merci. Tous les encouragements, je le prends comme une reconnaissance. C'en est une reconnaissance personnelle de me dire que d'être naturel avec un stagiaire, ça peut avoir des conséquences plus importantes que ce qu'on peut penser. Vous avez une idée de la raison pour laquelle... Pas du tout. Aucune. Je vous ai fait venir ici? Non. Bon. J'ai souhaité faire cette immersion. Oui. Pendant une semaine, j'ai intégré plusieurs établissements, plusieurs restaurants, pour voir un peu la façon de travailler et pour pouvoir vérifier que tout était bien respecté dans le concept Memphis Coffee. Et lors de mon immersion dans le restaurant dans lequel vous travaillez, j'ai pu constater de gros problèmes de respect du concept. Ah bon? C'est-à-dire? Lesquels? Elena, il faut demander la cuisson des steaks hachés, la cuisson dans les burgers. C'est vrai. C'est important. Quand on était l'un à côté de l'autre, je vous l'ai dit. La cuisson, messieurs. Non, attends. Non. Non, non. Quand on te dit pas la cuisson, tu marques un point. Ah d'accord bon. Parce que ça complique trop en cuisine. Ah bon. Après aussi, j'ai mis au point tout un tas de détails qui sont importants pour moi et pour les clients. Et vous ne les avez pas respectés. Ah bon. Drapeau américain sur les burgers, cuillère à milkshake. C'est cuillère à milkshake. Ça va où ça? On s'en fout. On s'en fout, d'accord, ok. Attends, donne-y. Faut qu'on pense au drapeau américain. Oui. C'est pas grave. On s'en fout? Bon, on s'en fout, alors, c'est pas grave. C'est vrai que j'ai dû faire pas tout droit comme il fallait parce que je vous envoyais. Alors, tu préfères qu'on se vouvoie ou qu'on se tutoie? À vous voir comme ça, je préfère vous voyez. Alors moi, si ça ne te dérange pas, je vais continuer à te tutoyer. Je suis quand même extrêmement content de toi. Merci. Et ce que je vais faire, c'est que pour les petits détails qui te manquent, les toutes petites lacunes que tu as, je vais t'envoyer quelqu'un de chez moi, du siège, pendant une semaine, pour te former. Est-ce que ça te convient? Oui, parce que je ne l'ai pas eu. Je veux apprendre, oui. Quelqu'un qui me met en formation une semaine, oui, je veux apprendre.
je vais apprendre encore plein de choses. Je demande qu'à apprendre. Je demande que ça. Je voudrais que tu puisses, si bien sûr notre enseigne te plaît et que tu veux rester chez nous, je voudrais que tu puisses évoluer chez nous, que tu puisses monter petit à petit, une marche après l'autre, pour pouvoir évoluer au sein de notre groupe. Moi, je demande qu'une seule chose dans ma vie, c'est de monter. D'accord. Ben ça me rassure. Je suis très contente de cette expérience et je repars avec beaucoup de souvenirs. Un petit peu d'angoisse, mais j'y vais un petit peu. Le sourire et plein la tête. Ouais. Bon. Et pourquoi vous m'avez... Le but du jeu, c'est quoi, alors? Vous avez voulu savoir comment je travaillais, comme si... Si je faisais mon boulot correctement? Non. J'ai passé une semaine dans plusieurs restaurants incognito, parce que moi, je ne suis pas issu de la restauration. Donc j'ai voulu faire cette immersion pour pouvoir m'apercevoir des conditions de travail. En fait, vous avez voulu découvrir un peu notre monde à nous, quoi. Exactement. Ah oui, ça, ce petit sourire que vous avez, là, il est trompu. Hein. Tu m'as ouvert les yeux. Grâce à toi, JR, j'ai décidé de faire ce poste de plonge un poste tournant. C'est-à-dire que chaque employé de cuisine va tourner un jour en plonge, un jour au dessert, un jour à un autre poste, mais de faire un poste tournant, comme toi tu le fais. Il est vu que la plonge n'est pas viable. Si on fait que ça, c'est excellent. Alors moi, j'ai été très touché par ta personnalité. J'ai trouvé que tu étais quelqu'un de très travailleur et de très impliqué dans ton travail, très consciencieux, très minutieux. Et donc, j'aimerais que lorsqu'il va y avoir des nouveaux restaurants qui vont ouvrir et qui, ton restaurant, celui d'Orléans où tu travailles, va recevoir des employés en formation, j'aimerais que toi particulièrement, tu les prennes sous ton aile et que tu leur enseignes ce que tu m'as enseigné pendant cette journée. Parce que de toutes les immersions que j'ai faites, de toutes les rencontres que j'ai faites, je pense que tu es celui qui est le plus passionné par son métier. Je sens que tu aimes la restauration. Ah ça oui, c'est vrai que c'est un beau métier. Je suis impressionné. Merci. C'est le premier patron en 34 ans de métier que j'entends parler comme ça de moi. Le premier. L'entendre parler comme il m'a parlé, ça fait du bien. C'est mieux qu'une médaille, ça je peux vous le dire. Parce qu'un patron me féliciter comme ça, pour moi c'est mieux qu'une médaille. They say that the world was built for two. Only worth living if somebody is loving you. Baby, now you do. Mm-hmm.